prenons donc le bulletin. Donc là, en l'occurrence, nous recevons 36 côtes entières. Nous vérifions la conformité du produit. Chaque jour, Lise, l'une des 50 employées de l'Union maraîchère de Genève, réceptionne des tonnes de fruits et légumes. Un processus bien précis, à suivre avec précaution. Les fruits et légumes proviennent des récoltes de 31 producteurs. Tous sont situés en Suisse, mais aussi en zone franche. Les 250 palettes de produits seront distribuées dans la journée à plusieurs supermarchés suisses. La tendance au régionalisme, c'est comme partout dans toute l'Europe, c'est à la mode. Donc le consommateur, suite à tous les scandales qu'il a eus, veut savoir d'où vient la marchandise. Si elle est de proximité, c'est toujours en plus au niveau de l'écologie. Les producteurs et la coopérative ont un cahier des charges strictes à respecter. Leur relation est un succès, et ce, depuis 69 ans. Nous ne prenons pas de marge avant, nous travaillons sur une marge arrière, c'est-à-dire qu'en fonction du prix moyen de la semaine sur un produit, le producteur nous consent une marge de fonctionnement. Donc nous ne sommes pas ici pour prélever des marges. Nous sommes ici pour vendre le mieux possible et le producteur sera réellement payé en fonction de notre prix de vente, moins bien évidemment les frais de conditionnement, les frais de transport et autres. 95% des producteurs vendent exclusivement leurs produits par le biais de l'Union maraîchère de Genève. Cependant, quelques-uns obtiennent des revenus complémentaires grâce à la vente directe.